Et salut tout le monde, c'est Red qui nous se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu Poppy Horror, un jeu mobile cette fois-ci qui a l'air d'être encore plus effrayant que le jeu Poppy Playtime. Mais bien évidemment, on est dans le même univers et nous allons retrouver notre usine de jouets préférée. Une usine de jouets dans laquelle nous allons devoir récolter tous les objets qui sont là. Ce sont des petits jouets, mais on va devoir bien évidemment tenter de s'échapper. Et je pense que Giwagi ne nous laissera pas partir si facilement vu que ça a l'air d'être beaucoup plus effrayant que le jeu de base. Mais écoutez, c'est parti, on va se lancer. J'ai vu qu'il y avait un jouet là-bas et c'est quoi, c'est Minecraft ou quoi? Pourquoi il y a des blocs de Minecraft partout là? Qu'est-ce que... Oh mais il y a plein de jouets aussi. Ok, donc notre première mission c'est bien évidemment de trouver le code dans la salle des jeux pour ouvrir la porte de sécurité. Hein, c'est comme dans le jeu de base ça, et je suppose qu'on peut pas accéder à cette porte là. Non 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 non, il nous faut bien évidemment les deux mains qu'on a toujours pas. Il nous faut les bras extensibles. Très bien très bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Donc bah écoutez les amis, accrochez-vous bien, je pense qu'on va se faire quelques frayeurs aujourd'hui. C'est parti pour le premier jouet, ok, ouais, je noterai plus tard. Le premier jouet qui est trouvé bien évidemment est avec... Oh, ça aussi c'est un jouet ou alors c'est bien le code? C'est le code, ok. Vert, rose, jaune, rouge. Vert, rose, jaune, rouge. Très bien, c'est dans ma tête, c'est bon. Alors est-ce qu'on a moyen de trouver autre chose ici? Je ne sais pas du tout s'il va y avoir Kissimissi ou quelqu'un d'autre dans ce jeu, s'il va y avoir que Giwagi, j'en sais rien du tout en tout cas. C'est le chapitre 1 de ceux qui ont créé ce jeu. Waouh, il y a des souvenirs là. C'était la salle de réunion ici ou quoi? C'est le chapitre 1 et je pourrais vous faire le chapitre 2 également car ils l'ont déjà sorti. Donc dites-le moi dans les commentaires et je vous le ferai direct. Allez, on continue donc à prendre tout ça et waouh. En tout cas sur le chapitre... Oh, il y avait marqué chapitre 2, il y avait un truc sur le chapitre 2. Ok, oh, je sais pas. Alors, on a dit... Ah oui, j'ai déjà oublié. Non, c'est vert, rose, jaune et rouge. C'est orange pour moi mais... Ah, ça a marché ou pas? Ah non, attendez, attendez, j'avais pas validé. Qu'est-ce qui s'est passé là? On refait. Vert, rose, jaune, rouge. Ouais, c'est bon, ça a marché et on l'a directement. Oh, il va nous manquer une main, les amis. Il va falloir trouver quelque part d'autre. Normalement, il y a un conduit là en face, mais on peut pas y aller. Oh, ça y est, je peux l'utiliser. Oh, il est parti dans le... Il est parti à travers le mur. Alors, en tout cas, on a les magnifiques blocs de Minecraft. Ah, ils se sont pas embêtés, hein. Ils se sont dit, on va faire un Poppy Playtime Minecraft, mon gars. C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, tout se passe comme prévu. On va pouvoir aller dans la salle de Huggy. Et on va peut-être pouvoir le découvrir. Alors, je ne sais pas à quoi il ressemble ici. Mais j'espère qu'il ressemble déjà à peu près à la réalité. Mais si un truc est encore plus effrayant. Ok, ok, ok. Non, c'est le même, hein. Franchement, ouais, il est bien fait, il est bien fait, il est bien fait. Il est fait de confetti, à ce que je vois. Ça va. Salut, tapement 5, mon pote. Pourquoi j'arrive pas à le faire? Oh, je peux pas le faire sur sa main. Comment ça se fait? Oh, mais il a une double bouche. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça va, Huggy? T'es bizarrement constitué aujourd'hui. En tout cas, il y a un nouveau jouet ici. On a déjà pas mal de jouets, hein, regardez. Ah, ouais, c'est bien ça. Il y a un truc avec le chapitre 2. Bah écoutez, on le fera sur ma chaîne. Il n'y aura pas de problème. Et pour l'instant, bah, on va continuer à visiter. Il y a les petites bandes d'arcade. Ça, c'est pas dans le vrai jeu normalement. Hein. Bon, il n'y a pas d'autre jouet ici. Oh, petite clé rouge. Ça, ça va me servir à. Ah, ça a déjà ouvert la porte. Oh! Ça a ouvert la porte là-bas. Ok, très bien. Mais moi, je voulais aller là, d'abord. Je vais aller là chercher le... Oh. On peut pas l'ouvrir, celle-là? Ah non, on peut pas. Mais il y a un jouet à aller chercher. Hein. Bon, on pourra l'ouvrir tout à l'heure, je suppose. Mais en attendant, on va aller dans la salle Power. Très bien. Qui est de l'autre côté, je crois, sur le jeu principal. Là, elle est de ce côté-là. Très bien. On a un nouveau jouet. Parfait. La collection se passe plutôt bien pour l'instant. Et on a eu aucune frayeur. Ça, ça fait plaisir. Et maintenant... Ah. Faut que j'appuie sur ce bouton rouge. Qu'est-ce que ça a fait ce truc là? Alors attendez, je crois que ça a débloqué un truc que je peux débloquer avec ma main. D'accord, ça a débloqué le petit... Oh, je peux tirer d'ici. Bah ouais, Huggy est parti, hein. Huggy est parti. Yep, je vois qu'il y a des références au vrai jeu. Ah, allez, allez. What? Il part sur le côté. Ah non, en fait, c'est pas mon viseur, c'est ma souris qu'il faut prendre en compte. D'accord. Allez, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. C'est bon. Hein, reviens, reviens. Parfait. Donc, ah, mais j'en ai deux maintenant. What? Pourquoi j'en ai deux? Ok, très bien. On va pouvoir aller sur la gauche et là, ça va commencer à nous faire peur. Il faut que je trouve 4 batteries maintenant pour avoir, d'accord, la main rouge qui... Oh, les rouleurs, ok. Ah, il y a une petite batterie là, parfait. Viens là, toi. Viens là, voilà, parfait. Les rouleurs, ils sont à moi. Intéressant. On a un bout de l'entrepôt ici. Ah. Pourquoi il y a du lapis lazuli ici? What? Bon, on va monter... Ah, d'accord, c'est ici qu'on pose les petites batteries, très bien. On va essayer de les trouver. Je suppose qu'il y en a une dans le corner, là. Non, même pas. Wow! Je suis tombé.
Ah oui, effectivement, il va falloir ouvrir cette porte-là. Mais d'abord, on va prendre le petit jouet-là. Mais je vais avoir tous les jouets très rapidement. Ils sont pas très compliqués en même temps. Ils sont immanquables, les trucs. Hein. Donc, il va falloir continuer par là avec les petits blocs de planches. Parfait, une autre batterie. Nickel. Il y en a une autre juste là. Et à mon avis, la quatrième, elle devrait être en hauteur. C'est sûr qu'elle est en hauteur. Parce qu'on n'a pas trop regardé. C'était sûr. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, on a débloqué le... Oh, il est là. Let's go. Alors, il fonctionne. Oh, ouais. Bon, écoutez, on se met sur le convoyeur et accrochez-vous bien parce que je crois que c'est à partir de là que dans le jeu, ça commence à faire peur. Hein. Vas-y, go, 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 go. Et c'est bon. Oh. J'aime pas trop les couloirs de ce genre. On va y aller, mais j'aime pas trop ça. C'est bon, ça passe. Ok, on envoie le bout, c'est parfait. On a un nouveau jouet. Qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Hein. Ça sera pour le chapitre 2. Allez, donc, on continue par là. On continue par là. On voit que c'est pas tout à fait comme le jeu de base. On a la fusée maintenant. Oh, il me manque la fusée et le train ou je sais pas quoi. Et on aura eu tous les objets. Hein. Ah, je peux fermer là ou pas? Oh! Ah, j'ai juste allumé. J'ai allumé la lumière, je crois. Bon, très bien, très bien. Donc, on va prendre cette petite fusée. Sur la droite, on a une porte. Je sais pas où est-ce qu'elle va nous mener, mais je suis pas... Ah, il faut allumer tous les néons, je pense. C'est ça, hein. Ok, ok. Avec plaisir, avec plaisir. Très bien. Maintenant, on va s'occuper de ça. Tac. Est-ce qu'on peut faire tomber les écrans? Ah non, on peut pas. Alors, est-ce que ça a ouvert la porte, du coup? Ah oui, ça a débloqué les deux trucs. Parfait. Alors, là, plus haut, plus haut. Allô? Ah mais maintenant c'est Vismo Viseur, qu'est-ce que c'est que ce délire? Très bien. Bon, allez hop, on y va, on ouvre cette porte et on peut continuer l'aventure. Maintenant il faut trouver 5 batteries pour démarrer la machine à jouer. Ouais, on va redémarrer l'usine. Exactement comme dans Poppy Playtime. Et c'est après ça que c'est un peu la galère. Ok, on va récolter ce petit avion. On collectionne les petits jouets, on collectionne. Oh, petite batterie juste là. Parfait. Est-ce qu'il faudrait... Ah, il y en a une là, ok. Il faudrait aller derrière ou pas? Non, pas encore. Oh, le petit train, c'est bon, on a pu collectionner tous les jouets, ça fait plaisir, ça. Et maintenant, trouvons les autres batteries. Alors, il y en a une de ce côté-là. Je suis à quoi? Je suis à 3, là, ou 4? 3, 4, là, c'est la quatrième, je crois. Et la dernière... où est-ce qu'elle peut être? Ah, elle est là-bas. Hop là, c'est bon, je l'ai eu. Alors, maintenant, il faut pick up the beer. Pour ouvrir la porte de sortie. Il faut juste appuyer ou pas? What? Non. Ah, il faut prendre le... Ah, d'accord, on va attendre que le jouet soit terminé, je crois. Ok, très bien, très bien. Bon, pour l'instant, pas de Giwigi en vue. Ça, c'est tant mieux. Ah, c'est bon, il est là. Il est là. Oh ah, what? Il sort d'où, lui? C'est quoi ce délire? Il est arrivé directement. Wouah! Mais attends, ça va. Oh non. Ah ouais, d'accord. Oui, oui, c'est bien plus effrayant que... Wouah! Normalement, on fait un tête-à-tête. Là, il arrive directement derrière nous. C'est n'importe quoi. Vite, on s'en va. On le regarde même pas. Ça va, ça va. Vite, 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 vite. À gauche, à gauche. Non, c'est fermé. C'est fermé, les amis. Oh, il m'a pas vu. Il m'a vu. Il m'a pas vu. Il m'a vu. Ah, ah, ah là là. Ok, ok. Donc, surtout pas. Allez, à gauche. On va à droite ou pas? Ouais, on va à droite. Allez, vite, 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 vite. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Non. Non. Ah. C'est un délire ce jeu. Il faut continuer. Ok, on va essayer d'aller au plus loin possible à chaque fois parce qu'on se fait avoir. Dès qu'il y a, on peut tourner. Ok, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, vite. Les contrôles sont difficiles. Hein. Ok, à gauche maintenant. Oh là là, non, je suis bloqué. Vite, vite, vite. Oh, yes, j'ai réussi à me tromper, mais il m'a pas eu. Oh là là, mais c'est tellement long. C'est un labyrinthe de fou, les amis. Je sais pas où aller. Oh non, pas là, pas là. Oui, c'est là. Oh. Yes, j'ai réussi. C'était la fin du chapitre 1, les amis. Ah bah écoutez, ça a été super rapide. Si vous voulez que je fasse le chapitre 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve à très vite. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde.